Salut. Ah. Arthur, j'ai quand même une petite question à te poser. Qui est ? Pourquoi tu te trimbales tout le temps en maillot de bain alors que tu sais même pas nager ? T'as fallu 20 ans pour t'en apercevoir. Ben, je vais te dire pourquoi. Parce que ça me rappelle Coney Island. J'étais gamin et que j'avais pas encore mis les pieds ici. Ça fait 20 ans que je suis à L.A., c'est comme si je venais juste d'arriver. Ben, dis pas que tu détestes encore cet endroit. Non, non, c'est pas ça, mais... C'est un peu comme un mariage raté, s'y habitue. S'il n'y a pas. Quoi tu parles? T'as pas touché à ton café, mais dis pas que t'as supprimé la caféine, comme tout le reste. Non, c'est pas ça, mais j'en ai déjà bu 3 tasses ce matin. Mais... Ça fait 2 bonnes heures que je me corse les couilles sur cette saloperie de scène. La scène du meurtre. On a laissé traîner les indices comme des tondeuses sur le gazon. C'est gros comme une maison. T'as raison, Artie, il y a un problème. Bah, ben, je m'en doute, c'est bien pour ça que je t'en parle. Alors, il s'agit pas de la scène. C'est bien plus grave. C'est quoi? Chaque année, à peu près à la même époque, je me fais faire un check-up. Le médecin m'a appelé à 8 heures ce matin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai un cancer du poumon. À un stade déjà bien avancé. Les 2 poumons sont atteints. Tu déconnes? Il me donne 6 mois, peut-être 8, pas davantage. C'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Je dois faire confirmer son diagnostic. Il m'a refilé les radios et les résultats de la biopsie pour faire une seconde analyse, mais... Va voir le mien. C'est une personne. Je t'arrange un rendez-vous tout de suite, si tu veux. Comment tu te sens? Tu te sens pas trop mal? Enfin, je veux dire, physiquement. Non, 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 pour l'instant, ça va. Tu te souviens, je me suis mis à tousser et ça commençait un peu avant Noël. Hmm? Évidemment, maintenant, je comprends pourquoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. On se connaît depuis... Depuis si longtemps. T'es comme un frère pour moi. Ah, si j'en avais eu un. Comme un frère? Tu en as parlé à Amanda? Non. Non, non, t'es le premier à le savoir. On se met au travail? Voyons cette fameuse scène. C'est toi qui l'as tué. Ça va pas? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas un peu malade, non? T'as jamais entendu parler de tabagisme par personne interposée? Parce qu'il aurait eu un cancer à cause de mes cigarettes. 6 heures par jour, 6 jours par semaine, 20 ans maintenant qu'il respire ta fumée. Ça, c'est une théorie, rien n'a été prouvé. C'est trop facile. Tu oublies que moi aussi j'étais là dans la pièce. Moi aussi j'en ai avalé de cette fumée, sûrement plus que lui. Question de génétique. J'ai question de génétique avec toi. Oui, on ne choisit pas ses gènes. Non, t'y vas un peu fort, tu trouves pas? Je l'aurais tué d'après toi? Tu cherches quoi là? À me culpabiliser? J'ai passé 20 ans à tes côtés, t'as pas de cancer toi. Regarde les choses en face. Tu as passé bien plus de temps à écrire ou à te balader avec lui que tu n'en as passé avec moi. Vous êtes très proches l'un de l'autre, peut-être trop. Ça va, Marie. Je t'assure, je suis sérieuse. Toi tu tapes à la machine, lui il parle en faisant les 100 pas et tout ça dans une pièce minuscule. À la fin de la journée, c'est un masque à gaz qu'il faut enfiler si on veut entrer. Le moment est mal choisi pour plaisanter, je trouve. Mais je ne plaisante pas. Je trouve ça horrible. J'aime tellement Walter, tu sais à quel point je l'aime. Bien. Ah, très bien. Laisse-moi simplement te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Ça te gêne pas trop de vivre avec un meurtrier? Fais pas cette tête. C'est pas la fin du monde. C'est peut-être la fin pour moi. Mais pas pour toi. Pourquoi tu portes toujours cette horreur? C'est drôle. Ce matin aussi, j'ai demandé à Artie pourquoi il passait sa vie en maillot de bain alors qu'il sait même pas nager. Et alors? Je suppose que lui, comme moi, on regrette un peu notre enfance. Tout était si facile, si paisible, on n'avait pas à s'en faire. Le paradis, c'est ça? Paradis. Et là, comment tu te sens? Et tu veux dire, est-ce que j'ai mal? Non, non. Non, non, comment tu te sens? Oh, je me sens déphasé. Ouais, déphasé. Je me sens comme inachevé. Non, incomplet plutôt. Comme un scénario qu'on n'aurait pas fini d'écrire. Mon plus vieux problème. Une œuvre inachevée. De toute façon, c'est la mort qui va s'en charger. Et est-ce qu'au moins j'aurai une petite place dans cette œuvre? Tu le sais bien. Une grande place. Non, très peu en vérité. 2 ou 3 patients par an, pas plus. Et comment ils ont réagi en général? Ça dépend vraiment des gens. Chacun réagit à sa façon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après, je veux dire, du temps qu'il leur restait à vivre? Ceux qui avaient de l'argent sont partis en voyage, ont été revoir leurs amis, leurs proches. L'un d'eux est allé à Las Vegas, il a fait sauter la banque. Les autres sont restés chez eux, entourés de leur famille. Et vous, comment le prenez-vous? J'ai l'impression que vous vous esquivez derrière ces questions. On peut rien vous cacher. J'ai encore du mal à m'y faire.
Regardez la chose en face. Je me sens pas concerné, j'ai l'impression de regarder un film. Vous vous dédoublez? Bah, pas consciemment, en tout cas, non. Ce type, Walter, on lui a dit qu'il allait mourir. Et pour l'instant, il est dans une phase de rejet. Il lui faudra combien de temps pour admettre qu'il est Walter? Et que c'est à lui que tout ceci arrive? J'en sais rien. Je m'individualise. Ça a toujours été un gros problème pour moi. Je sais, c'est mal. Il y a des circonstances atténuantes. Selon vous, c'est mal, alors? Je vous pose une question, à chaque fois vous me la renvoyez à la figure, c'est un vrai punching ball. Est-ce que je peux vous poser encore une question? Je vous écoute. Est-ce que l'un d'eux a, disons, essayé de se tuer? Walter? Bien en train de parler avec Walter Farmer? Oui, c'était lui. Ah, bonjour, je m'appelle Amanda Freeman. Walter et moi, nous sommes pour ainsi dire fiancés. Bert Tipton, je suis pas sûr d'apprécier pour ainsi dire. Bah, alors, on est deux dans ce cas-là. Vous voulez un peu de café? Il est tout chaud. Je viens juste de le faire. Bon, moi, d'accord. Bien, venez avec moi. Merci beaucoup. Je n'étais encore jamais venue ici. Oh, c'est surprenant. Vous êtes un ami de Walter? J'essaie de l'être. J'ai fait deux ou trois films avec eux. Je suis accessoiriste. Oh, vous connaissez Artie, alors? Ah, si je le connais, ils sont inséparables. Pire que Laurel et Hardy. Ils sont ensemble depuis plus longtemps que beaucoup de couples mariés. Ils sont mariés presque légalement. Vous prenez du sucre? Non, merci. Et vous voyez souvent Walter? Non, pas trop. C'est la première fois qu'il vient m'emprunter un accessoire. D'après ce que j'ai compris, ils sont en train d'écrire un script. Il y a des armes dedans. Comme ils n'y connaissent strictement rien. Attendez une minute. Il vous a emprunté une arme? Un Smith & Wesson de 69. J'ai vraiment pas l'habitude de prêter des flingues, mais Walter est un ami. Et pourquoi a-t-il besoin d'un vrai revolver? Un accessoire n'aurait pas suffi? Il lui faut du vrai, de l'authentique. Dans le dernier film, il y avait une scène où on montrait une croix gammée nazie. C'était moi une pour qu'il m'envoie chez un collectionneur de trésors de guerre. Eh oui. Oui, je la reconnais bien, là. Et vous ne lui auriez pas fourni les balles avec, par hasard? Je suis pas un armurier, ma petite dame. Il veut seulement savoir de quoi ça a l'air. Il n'a pas l'intention de s'en servir. Oui, il n'a aucune raison de s'en servir. Ah non, aucune. À moins... Il m'a demandé s'il y avait un armurier à Westwood. Dans quel quartier il habite, au fait? À Westwood. Ah non, il n'y a personne à l'appartement. Et sa réunion des alcooliques anonymes? Enfin bon Dieu, Marie, il va mourir dans 6 mois. Tu crois qu'il perdrait son temps là-bas? Appelle le chinois, Fred Weicher. Tu vois où c'est? Il va y manger un morceau de temps en temps. Bonne idée. Il s'appelle comment? Zachary? Zaki. Zaki. Je suis sûr que c'est lui. Allô? Oui, j'attends. C'est Marc, notre producteur. Salut, Marc. Oui, ça va. Très bien. Et vous? Bien? Dites, je vous préviens tout de suite, on a sucré la scène du conseil de classe. On est devenu en moitié maboule avec ces fichiers d'indices. C'est trop salé. Mais non, on va y arriver, on est des pros, non? Vous aurez votre scénario en temps et en heure. D'accord. Merci, Marc. Ah, et le producteur. Tu leur dis la vérité, ils sont complètement paniqués. Appelle Zuki. Une seconde, ça va, je le fais. Au fait, j'y pense. Il y a effectivement un revolver dans le script. Le second rôle, il apprend qu'il a perdu une fortune dans une opération boursière. Il sort et il s'achète un flingue. Un modèle 69 Smith & Wesson? C'est pas précisé, peu importe la marque. C'est dans ses habitudes? Enfin, je veux dire, ça lui arrive pour certaines scènes de s'occuper lui-même des accessoires? Non, pour que je sache, non. Oh, il est drôle, il aime bien faire des blagues, mais ce genre de plaisanterie, vraiment, c'est pas son style. Oui, c'est bizarre, même pour lui. Allô, Phil? Ici Artie Margulis-Tit. Est-ce que mon associé chez vous? Il vient vous voir tous les mardis, non? Vers 10h, c'est ça? D'accord, à plus tard. Ils l'ont pas encore vu. Enfin, mon Dieu, pourquoi il n'y a jamais de cendrier? Sers-toi de ta poche. Il n'y a pas une projection privée au club des auteurs ce soir, non? Il a rendu sa carte de membre. Il préfère voir les films en salle avec le vrai public. Je vais essayer encore une fois à l'appartement.
Amanda, tu as une clé de son appartement? Oui, bien sûr, j'en ai une. Pourquoi? Pour appeler les flics, on dirait qu'on est sans nouvelles et puis qu'on s'inquiète. Ah, mais si t'as une clé, on peut aussi aller chez lui et vérifier par nous-mêmes. Je l'ai vu cet après-midi, on pourrait peut-être attendre avant de prévenir la police. Peut-être, mais il aurait pu aussi bien rentrer directement. Mais elle a dit qu'il n'avait pas de munitions. Je sais plus ce que je dois faire. Amanda, est-ce que je peux te poser une question indiscrète? À quel point indiscrète? Quelque chose qu'on voulait te demander depuis longtemps. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes jamais mariée? Je me pose toujours la question, d'ailleurs. Nous nous aimions, pourtant. Non, pardon, nous nous aimons, c'est sûr. Walter n'a pourtant pas peur de prendre des décisions, mais dans ce cas précis, il n'a pas sauté le pas. Et je trouve ça dommage, moi. Bon, je crois que t'as raison. À propos de quoi? Je vais aller chercher mes clés et je vais aller voir s'il est dans l'appartement. D'accord. Y a quelqu'un? On est là! La porte était ouverte. En principe, c'est le meilleur moment de la journée. Pourquoi vous faites cette tête-là? Vous n'êtes pas heureux? On n'est pas heureux, non? Tu rigoles, on est heureux de te voir. On est vraiment très heureux. Mais oui, c'est vrai. Absolument. Chaque personne réagit différemment. C'est comme les empreintes. Personne n'a la même empreinte. Est-ce qu'il avait l'air dépressif? Pas plus que d'habitude. Et pourquoi? Parce que c'est chronique chez lui, le fait d'être dépressif? Désolé, je ne réponds pas à ce genre de questions. Et comment vous prenez tout ça, vous? C'est la pire chose qui puisse jamais m'arriver. La pire, oui. Quand mon père est mort, j'étais encore jeune. Trop jeune. Ça m'a fait très mal à l'époque. Mais là, c'est pire. Il n'est pas seulement votre complice, il est également votre meilleur ami. Docteur, quand j'y réfléchis bien, à part Marie, ma femme, il est le seul ami que j'ai. Et que j'ai jamais eu. Est-ce que ça vous pose un problème? Non. C'est déjà bien d'avoir quelqu'un sur qui on puisse vraiment compter. Walter, c'est vraiment un homme exceptionnel. Il sait être attentif. Attentif à toutes sortes de choses, à ce qu'on écrit, mais et aussi attentif aux autres, à ceux qui l'entourent. Et à moi aussi. Il a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui, et ça n'a pas de prix. Écoutez, je vois à quel point vous vous sentez concerné par ce qui lui arrive. Vous voulez savoir comment gérer cette situation? C'est bien ça? C'est ce que vous voulez savoir? Pas exactement, non. Je dirais plutôt quelle attitude adopter, mais... Mais il y a quoi? Je crois... Ma femme, sa petite amie et moi-même... Je crois depuis quelque temps qu'il pourrait bien... qu'il pourrait bien avoir envie de mettre fin à ses jours. Enfin, ça y est, c'est sorti. Oui, ça y est, je l'ai dit. Pourquoi avez-vous cette impression? Qu'a-t-il fait? Il a emprunté une arme. Quoi d'autre? Quoi, c'est pas suffisant peut-être? J'en sais rien. On sait plus comment faire, comment se débarrasser de cette angoisse. C'est pourtant simple. Interrogez-le. L'interroger? Lui demander ce qu'il veut faire du flingue? Encore plus direct. Demandez-lui s'il a l'intention de se tuer. Vous n'en auriez pas un autre par hasard? J'ai très soif. C'est le dernier, désolé. Il y a une autre possibilité. Je devrais peut-être pas vous en parler. C'est juste une idée. Dites toujours, docteur. Il serait naturel, en de telles circonstances, qu'il éprouve une sorte de haine ou du ressentiment. Là, je ne vous suis plus très bien. Du ressentiment? Exact. Envers qui? Vous. Il a fiché une de ses trouilles, tu peux pas savoir. Je sais que Walter en pense au plus grand bien, mais il me paraît trop alarmiste. Ouais, j'espère que tu as raison. En tout cas, il a parlé sans équivoque. D'après lui, il pourrait vraiment m'en vouloir. Écoute, je le connais bien et... Pour avoir envie de se tuer? Bah oui, évidemment. Où tu es maintenant? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si je dois te le dire. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, mon Dieu? Il fait un flipper ou quoi? Là, vas-y, accouche! Il est entré dans...
dans une armurerie. Je l'ai suivi il y est depuis 5 minutes. Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je voulais pas t'effrayer davantage, surtout après ce que le psy t'a dit. Qu'est-ce qu'il fait chez un armurier? Il l'a déjà, son flingue. À l'enseigne dit armes et munitions. Il achète des balles? Pas difficile à dire, il est à l'intérieur, je peux pas le voir. Écoute, le psy m'a conseillé d'entrer directement dans le vif du sujet et de lui demander ses intentions. À qui tu parles comme ça? C'est Amanda, Walter a acheté des balles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça y est, il sort. Je continue la filature, on se rappelle, ok? Amanda, où êtes-vous tous les deux? Toto à la maison, ça fait 10 minutes qu'il est à l'intérieur. Il est seul, il risque pas de se faire du mal. Ne sois pas trop paranoïaque, il peut être en train de faire un sandwich ou passer un coup de fil. Non, il aurait téléphoné de la voiture. Qui sait, il prend peut-être un bain. Essayons de garder notre sang-froid, d'accord? Il peut faire mille et une choses. Arrête, il a un revolver, il a probablement les balles qui vont avec. Il est tout seul dans ce fichu appartement et tu oses dire que c'est moi le paranoïaque? En fait, je crois qu'on devient trop nerveux, surtout avec l'estomac vide. Attention, il sort! Amanda, tu es là? Proche de la voiture. Il jette les chemises sales sur le siège arrière. Il s'assoit. Met la clé de contact et démarre. Tu feras un sacré reporter, tu sais. On devrait mettre en route ton moteur, toi aussi. Non, j'ai pas l'intention de continuer. T'es dingue, il faut qu'on sache où il va. Je débraye, Coco. Je vais faire un tour à l'appartement. Manda. Il m'a raccroché au nez, la vache. Je suis prêt à parier qu'il devient aussi dingue que lui. Comme d'habitude, il n'y a rien qui traîne. Comment trouver un indice? Copain, il est peut-être en train de se tuer. Toi, tu trouves rien de mieux à faire que de nager? Et qu'est-ce que je fais d'habitude quand je suis nerveuse? Tu nages. Alors cesse de faire des commentaires ridicules. Et je fais quoi, moi, quand je suis nerveux? Oui, tu fais des commentaires ridicules, d'accord, on est à égalité. Ouais, bon, un coup. Amanda? Régisseur présent, je pensais retrouver le sujet devant le pressing. La déduction s'est avérée exacte. On dit où est-ce qu'il est maintenant? Oh, tu ne vas pas me croire, dans un magasin de jouets anciens. Ils ont des jouets de collection aussi. Fais collection de jouets maintenant. Les métastases ont dû attaquer le cerveau, c'est pas possible autrement. On ne peut pas dire que tu fasses dans la dentelle. Bah, excuse-moi, je suis désolé, moi aussi je deviens cinglé. C'est Arty au pays des merveilles, au lieu d'Alice. Où est le revolver? Enfermé dans ma boîte à gants. Je vais acheter un autre. Oh, impossible, il y a un délai à respecter. Il faut qu'on discute avec lui au plus vite. Bah, tu parles, qui va nous écouter? On s'est enfermé. Non, non, on a déjà écrit un truc là-dessus, il faudra avoir sa permission. Qu'est-ce qu'il veut bien acheter dans ce fichu magasin? C'est toi le scénariste, Arty? À toi d'écrire la scène? Je suis en panne. Sans lui, je sais pas, je fais un blocage.
Cadré, moteur. Pas de café à travers ma gueule de truand? Le café, c'est le matin. Le soir, t'as droit au ginger ale. Qu'est-ce que tu trimbales là-dedans? Ben toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veilles à mort ou quoi? On pourrait pas rajouter un projo sur les acteurs? Ah, voilà, c'est mieux. Ah, écoute, j'en ai assez. Je le prends bien plus mal que toi, tout ça. Où est Marie? Il suit un cours d'histoire de l'art à l'université. Ah, et Carlotta? Jour de congé pour le personnel. Elle m'a laissé un poulet à l'ail de la dynamite. T'en veux? Oh non, j'ai pas faim, merci. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde, moi. J'avais pas réalisé. T'as laissé plusieurs messages sur mon répondeur. Amanda aussi. Ouais. On a essayé plusieurs fois de te joindre, on a des choses à te dire. Amanda est passée à l'appartement aujourd'hui, sans ma permission. Mais depuis quand elle a besoin de ta permission? C'est bien pour ça que tu lui as donné les clés, non? Pour qu'elle puisse y aller quand elle veut. Ouais. Elle a tiré une balle dans le mur, ça a fait un trou. Si le propriétaire voit ça, il risque de résilier mon bail. Walter, qu'est-ce que ton bail vient faire là-dedans? T'as rien de plus important à me dire. Alors tu étais avec elle, dans mon appartement? Non, j'y étais pas. Et puis sache que c'était un accident. Elle n'a pas l'habitude des armes à feu. Alors elle t'a tout raconté? Amanda et moi, on voulait avoir une petite discussion avec toi. Et puisque tu es venu sans prévenir, et puisqu'Amanda est retenue ailleurs, je vais me débrouiller, je parlerai en notre nom. Tu n'offres pas un verre à ton invité? Il me semble... Oui? Il me semble, Walter, que ce diagnostic t'a, comment dire, rendu dépressif. Remarque, ce genre de nouvelles en déprimerait plus d'un. C'est difficile d'apprendre sans broncher qu'on n'en a plus que pour 6 ou 8 mois à vivre. C'est une remarque extrêmement judicieuse, intéressante venant de toi. Tu nous fais une grosse dépression, autant l'avouer. Et c'est justifié d'ailleurs. Enfin, peu importe, c'est là et bien là. Alors, Amanda, Marie et moi-même, on aimerait pouvoir t'aider. Tu viens d'en allumer une. Je la fumerai après. Voilà, d'après nous, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais essayer d'être direct. Nous croyons, Amanda, Marie et moi, enfin, on pense que tu as l'intention de te tuer. Moi, j'aurais eu l'intention de me tuer? Et pourquoi, où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Non, je parle de vous trois, femmes et petites amies. Parce que tu as emprunté un revolver à l'accessoiriste et que tu as acheté des munitions. Une filature de professionnel. D'accord, j'ai emprunté un revolver. Pour la paix des ménages, disons que je l'ai emprunté. Voyons, si tu utilisais tes talents de scénariste, tu en déduirais quoi? Je vois pas ce que mes talents de scénariste viennent faire là-dedans. Bon, alors, imagine qu'on mette ça sous la forme d'un script. Ce type, ce Walter, on va l'observer au microscope. Quelles sont ses options? Oh, n'essaie pas de noyer le poisson. Tu as emprunté un revolver, n'essaie pas de le nier. Tu as bien l'intention de te tuer, Walter. Conclusion un peu hâtive. Moi, j'envisagerais une autre éventualité. Et je peux l'avoir emprunté pour tuer quelqu'un d'autre. Je comprends pas. Je vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocent. Ce fameux personnage, ce maboule de Walter, une fois qu'il a le revolver, il attend que la femme de sa future victime s'absente pour la soirée, que le personnel soit parti. T'as plus ton revolver, Amanda te l'a repris. Encore une fois, tu ne fais pas appel à ton talent. Tu l'as eu celui-là? Et peu importe. Et tu te rappelles ce documentaire qu'on a fait? Les armes à feu sont à peu près aussi courantes en Amérique que les trombones à papier. Marie va rentrer d'une minute non, à l'autre. Non, faux. Son cours se termine à 10 heures. Ça nous laisse beaucoup de temps. Du temps pour quoi? Ça prend une seconde d'appuyer sur la gâchette. Absolument. Ça te gêne pas si je fume? Non, vas-y. Ça ne m'a jamais dérangé. Tu pourrais peut-être me dire pour quelle raison tu veux m'exécuter? Simple équation. Tu m'as tué, alors je te tue. Parce que je fume. Exact. Ce petit cylindre blanc dans ta main. J'estime à 1 million le nombre de cigarettes fumées. La plupart, bien sûr, en ma présence.
L'Académie nationale des sciences a d'ailleurs fait une étude très intéressante là-dessus. Ils ont découvert que les épouses des gros fumeurs avaient... Parce que tu te prends pour ma femme, alors ? Nous sommes un couple de scribouillards qui a de polygamie professionnelle, en quelque sorte. Un mariage, mais sans le sexe. Ah, ça faisait longtemps que tu voulais sortir, celle-là. L'Académie des sciences, mais les études sur la cigarette. C'est rien. Moi aussi, je l'ai avalé, cette fumée, non ? Toi, tu meurs, et moi, je m'en sors. Disons que t'as eu plus de chance. Mais maintenant, le vent a tourné. Il faut que tu me comprennes. J'ai pas voulu te tuer. T'es bien la dernière personne sur Terre que je voudrais voir mourir, figure-toi. Pourtant, c'est toi le survivant. Depuis que tu es petit, j'ai l'impression que tu es sur pilote automatique. Tous les gens qui ont un jour traversé ta vie font partie de la parade. Toi, tu frimes et les autres nettoient tout derrière toi. Non, attends une minute. Voilà, ça, c'est le chef d'accusation principale. Maintenant, à ton tour de payer. Tu permets que je fume une petite dernière ? Ah, la cigarette du condamné. Donne-moi ça. Donne. La dernière. Ça va mieux. Petite goutte d'eau dans le désert. La répétition est terminée. Demain, à la première heure, je me rends. Ça fera un scandale mondial. Les médias parleront de moi. Ça fera bien sûr la une de tous les journaux. Ça s'appelle commettre un meurtre avec préméditation. Ils vont quoi ? Me faire griller peut-être ? Je serai mort depuis longtemps quand le juge ouvrira le dossier. Tu connais la complexité, la lenteur du système judiciaire américain. Mais enfin, tu vas quand même pas passer ta dernière heure en prison ? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Dans certains cas d'homicide, on peut être libéré sous caution. Je peux aussi tomber sur un juge qui nourrit une haine farouche à l'encontre des fumeurs de son espèce. Ça, Marie ! Elle comprendra, c'est une femme remarquablement intelligente. Elle dira, pauvre Walter, il est à moitié dingue. De toute façon, t'inquiète pas, elle survivra grâce à tes droits d'auteur. T'es pas à moitié, t'es complètement dingue ! Fume-la ! Allez, vas-y, savoure bien cette cigarette. Parce que crois-moi, c'est la dernière que tu vas fumer, fais-moi confiance. Fume-la. Un autre épisode de notre incroyable et sublime relation sado. T'avais pas le droit de me faire ça. Notre revolver, le bête, t'avais pas l'intention de l'utiliser. Tiens, va chercher quelque chose à boire. La seule chose que je veux, c'est fumer une cigarette. Ah, ça non. C'est quoi, c'est bien. Désolé, mon petit vieux, mais cette fois, c'est pas une blague. C'était ta dernière cigarette. Ah non, mais j'arrête, c'est pas possible. Toute cette mise en scène élaborée pour que j'arrête de fumer. Et ton cancer aussi, alors c'était une sinistre blague. Non, malheureusement, cette partie-là de l'histoire est bien vraie. Toi, je vais... Tu tireras sur un homme malade ? Tu l'as acheté à la boutique de jouets anciens ? Incroyable, vous êtes mieux renseigné que les gens de la CIA. C'est normal, on s'est fait un son d'encre, bon Dieu, à cause de toi. Et en réalité, t'es dingue. T'es complètement dingue. Et nous, on l'est autant que toi, parce qu'on continue à t'aimer malgré tout. Oui, je sais, Artie. Oh, il faut que j'aille me coucher. À 9h pile, comme tous les jours. À 9h pile ? Ah oui, changeons pas nos habitudes, faut finir le script. Pourquoi ? Je rends pas l'intérêt. Parce que je te connais, tête d'œuf. Tu n'oseras rien écrire jusqu'à ce que je meure. Et moi, je veux pas que tu gâches tout.
Je ne sais pas s'il est 10h du matin ou du soir, mais à l'évidence, il n'y a pas d'heure pour les accros de la nicotine. Je suppose que tu ne seras pas étonné si je te dis qu'il ne reste plus une seule cigarette dans cette maison. Ceci était une annonce du service public. Merci. Parce que maintenant, tu écoutes des cassettes au milieu de la nuit. J'attends, tu n'as rien à dire? Je croyais qu'il était mon partenaire, il est devenu le tien, alors? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce que Walter appelle mon talent de scénariste. Il est venu me voir hier, il n'a pas mis les pieds dans la cuisine. C'est forcément toi qui l'as planté là, ce magnétophone, toi qui as pris mes cigarettes. Vous êtes tous les deux de mèche contre moi. Chérie, personne n'est contre toi. Prouve-moi le contraire. T'as peut-être pas encore parlé de la petite farce qu'il m'a faite hier soir, cette espèce d'enfoiré. Il n'a pas donné de détails. Eh, c'est ça, eh ben voyons. Amanda aussi est dans le coup? Je ne suis pas au courant. Tu sais ce que j'en pense, moi, de tout ça? Pour un type qui se meurt d'un cancer, je trouve qu'il pousse un peu loin la plaisanterie. Et toi, tu ne l'apprécies pas? Ah non, pas une seconde. Il peut s'amuser, mais pas à mes dépens. C'était quand même un peu dégueulasse ce qu'il m'a fait hier soir. Il essaie seulement de t'aider par tous les moyens. Ah ouais, tu parles d'un moyen? À peu près aussi efficace qu'un seau d'eau en pleine figure. Tu n'as pas dîné hier? Laisse-moi te préparer quelque chose. Une omelette au petit lardon, ça te va? Un peu pour autant qu'un stylo plume à un naufragé. Et puis le cholestérol, c'est tellement mieux que la nicotine. Il y a encore une cigarette qui traîne quelque part, je le sens. Je perçois ses vibrations, elle est là. Je te garantis qu'il ne reste pas une seule cigarette dans cette maison. Je t'en supplie, ne transforme pas notre nid d'amour en centre de désintoxication. Chérie, juste un petit taf pour me calmer. Deux petites bouffes, je te promets, je retourne me coucher. Cette impression de déjà-vu. Tu m'as fait le même coup il y a 10 ans quand tu m'as supplié à genoux de coucher avec toi. Oh, quand tu parles de ça, ça me trouble. Une cigarette, tu reçois un petit câlin. Non, il n'y a pas de cigarette qui tienne. Artie, tu l'aimes au moins? À ma façon, un petit peu débile, un petit peu godiche, un peu maladroite. Mais oui, je l'aime. Alors avant qu'il ne s'en aille, avant qu'il ne nous quitte pour de bon, aide-le à te venir en aide. Tu veux bien essayer, pour moi. Tâchez de rester parfaitement immobile, Monsieur Farmer. Ça ne prend que quelques secondes. Après, on fait le tour. Doré à point comme une dinde de Noël. Ah là là, quand je vois ce qu'il y a à l'écran, mon pauvre Walter, je me dis que tu vas pas casser la baraque. Tu vas faire à peine nos fous 10 points, c'est peu. Puis il y a 8 jours aussi, l'audimat était fait. Le patron va te botter les fesses. Tu vas la fermer. Ne bougez plus, s'il vous plaît, Monsieur Farmer. Les auteurs sont des exhibitionnistes refoulés. Faites bien attention, je vais mettre l'accélérateur en route. Ne bougez pas, surtout. Monsieur Farmer, on a fini. Eh bien, le barbecue, c'est beaucoup plus efficace. Moi, maintenant, je sais comment Boris Karloff a débuté. Je croyais que vous écriviez des dramatiques. On nage dans le drame. Vous voulez pas encore lui balancer 2 ou 3 éclairs, non? Non, ça va comme ça, ça suffit. Merci à tous. N'oubliez pas de faire un vœu sur... Un petit conseil de la Ah oui? Ah. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? C'est sûrement moins dangereux que la cigarette. Et voilà. Encore une nouvelle année découlée. C'était un 5 mai. 9 ans déjà que devant les alcooliques anonymes réunis ce jour-là, j'ai dit adieu au martini. Et je parle du martini, enfin, en tant qu'alcoolique qui se respecte. Et j'ai bu de tout, hein, du torboyau, au litre de bière éventée. J'ai même bu du parfum, figurez-vous. Une fois. J'étais sur le bon chemin. Direction la tombe, si vous voyez ce que je veux dire.
D'ailleurs, j'ai eu de la chance, j'ai failli en envoyer plus d'un à la morgue à force de conduire avec 10 grammes dans le sang. Remarquez, comme disent les sportifs, on n'obtient rien sans rien. Bravo, oui. Bravo. Je me souviens quand j'ai franchi cette porte la première fois. Ma tension artérielle frôlait les 18. J'avais le choix entre arrêter ou crever. J'en ai ruiné mon mariage, j'ai failli perdre de vue mon enfant. Et j'ai également bien failli perdre une des personnes qui compte le plus dans ma vie. La personne avec qui j'écris. J'étais en train de sombrer et vous étiez les seuls à pouvoir me maintenir en vie. L'image va vous paraître facile, mais grâce au ciel, j'ai pu regagner la côte. Regagner la terre ferme. Mais je n'y serais jamais arrivé sans vous. Alors chaque bougie de ce gâteau, c'est à vous que je la dois. Pour être honnête, je sais que je suis un survivant parmi les survivants. Et je ne pourrai jamais assez vous remercier. Merci à tous. Merci. Ce que j'ai à vous dire, mon ami, je vais le dire au nom de tous, car je sais qu'ils seront d'accord. Nous n'avons jamais connu quelqu'un de plus gentil, de plus généreux. Vous pourriez être notre mascotte. Allez, les gars, on l'applaudit. En fait, t'es qu'un emmerdeur. Vous l'avez jamais dit? Non, on doit impérativement plonger dans le cliché haine amour. Faut-il pas? Entre nous, il n'y a que la haine qui fonctionne. Il me faut une cigarette. C'est une idée fixe, hein? Bon, voyons voir. Passer cette tombe, ça m'intrigue, ça. Moi, je préfère nettement les intrigues qui sortent de la machine à écrire. Ah bah, d'une façon ou d'une autre, tu y échapperas pas. C'est la tombe qui aura raison de toi. Je suis pas pressé. Ah, j'étais jamais venu jusque-là. Vue imprenable de la ville la moins intéressante de la Terre. Tu vois, j'ai acheté cet emplacement il y a 10 ans environ, un représentant qui passait par là. Il t'a vendu ça, puis aussi la Bible en 20 volumes, j'espère. Ouais, bah j'ai pas perdu d'argent. L'inflation a touché le parc mémorial comme les autres terrains. Le parc mémorial, non mais qu'est-ce que tu racontes? À Coney Island, on appelle ça un cimetière, si vous voulez. Le mot est faible à part d'un homme qui prétend écrire d'inoubliables dramatiques. Mais pour qui tu te prends, toi? Pour Edgar Allan Poe? Tu te mouches pas du pied. Je te signale que la linguistique fait partie de ton métier. Parce que tu sais, par exemple, que les Esquimaux ont 12 mots différents pour décrire la neige. Et nous, un seul pour la mort. C'est pas le genre de truc que je ressasse le matin et puis avec leur sale temps pourri, moi je m'en rentre pas. Hey. Ouvert jour et nuit. Tu cherches vraiment à me couper l'appétit? Ils ont dû la creuser ce matin. La terre est encore humide. Je voudrais pas t'ennuyer, mais on a encore une dizaine de scènes à écrire, je te signale. Ouais, bah, je vais l'essayer pour la taille. Qu'est-ce que tu fais? Non, remonte, sors de là. Allez, sors, je te dis, sors de là. Il n'est pas à toi, ce trou. T'as rien à faire là-dedans. Allez, remonte. Écoute, il ou elle n'est pas encore arrivé. Alors disons que c'est une avant-première, ça te va? T'aimes bien ça, toi, les avant-premières? Oh mon Dieu! Je vais me laisser tout seul. Laisse tomber. Non, arrête. Allez, viens, laisse-toi tomber, on est bien au fond. Non, tu comprends rien, c'est la fin. C'est la fin, on va plus se revoir. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu me perdras jamais. Je serai toujours dans le bureau avec toi. Je regarderai par-dessus ton épaule. Je te dirai quelle réplique est bonne, quelle autre est mauvaise. Ah, tu te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Ça y est, ils arrivent. Qui arrive? Les amis du mort. Les amis du mort, ils sont là. Ah, plus on est de fous, plus on rit. Allez, viens, donne-moi la main. Allez, viens, dépêche-toi. Tire-moi là. Ah, je veux te faire enterrer maintenant, ou quoi? Allez, mène-toi, ils arrivent. Mais qu'est-ce que je fais, à ton avis? Vas-y. Attention. Vas-y, mon Dieu. Ne tire pas comme ça. Estire pas, qu'est-ce que tu racontes? Tire pas, je te dis, je vais tomber, attention! Oh, merde! Ah, oh, c'est la faute, c'est moi! On se lève, il y a eu mon devoir! Oh, toi! Excusez-nous, on cherchait un petit trou perdu. Ah,
C'est toujours plus prudent de consulter un autre médecin. On ne sait jamais. Mais dans votre cas, il n'y a aucune erreur. Le premier diagnostic était correct. Je suis désolé de le confirmer. Et d'après vous, alors, j'en ai pour 6 mois. Un peu plus, peut-être. Vous faites une chimiothérapie? Oui, et aussi des radiations. Là, sur votre fiche médicale, vous n'avez pas noté le nom de celui qui vous envoie. On m'a recommandé à vous, très chaleureusement, mais qui, je ne m'en souviens plus. Un ami? Probablement. Ne serait-ce pas Amanda Freeman, par hasard? Oui, en effet, ce nom m'est familier, mais je n'arrive plus à le situer. C'est bien ce qu'il me semblait, vous mentez. Vous ne situez plus bien la femme avec qui vous sortez depuis 3 ans. J'aurais peut-être dû demander un scanner du cerveau. Je ne pensais pas que j'aurais à vous parler d'elle. Parce que vous croyez que je n'ai plus de mémoire ou que je ne sais plus votre nom. Pourtant, on vous voit assez souvent à la télévision. Non, je ne voulais pas vous embêter avec ça et je pensais que vous m'aviez oublié. Comment oublier l'homme qui m'a volé ma fiancée? Vous vous fichez de moi? Non, attendez. Mais vous ne manquez vraiment pas d'air. Amanda et moi, nous étions sur le point de nous marier quand vous êtes arrivé avec votre auréole d'hollywoodien. Quelques jours après, je me retrouvais avec 2 alliances pour une seule main. Si j'étais vous, je ne pousserais pas plus loin l'analogie. Qu'est-ce que vous dites? Amanda n'était plus une enfant. Elle était assez grande pour se décider toute seule. Mais j'avoue qu'elle disait toujours beaucoup de bien de vous, docteur, que vous étiez charmant, intelligent, correct. Il se trouve que j'avais de mon côté d'autres qualités. Peut-être a-t-elle pesé le pour et le contre, et puis finalement j'en suis sorti gagnant. Mais vous ne vous êtes pas marié, pourtant. Non, c'est vrai, en effet. Et maintenant, il y a... Je suis curieux de savoir pour quelle raison exactement vous êtes venu ici. Et ne me faites pas le coup du second diagnostic, il y a autre chose. Est-ce que la vraie raison de votre présence serait de m'avertir qu'Amanda sera libre? Dans, disons, 6 à 8 mois, c'est ça? Vous êtes vraiment un drôle de numéro, Walter. Et alors, elle lui dit, j'ai repéré de drôles de signaux. Normal, le cœur d'une mère bat toujours avec celui de son fils. Bon, enfin, après, se tourne vers... Non, et toujours à l'unisson. Toujours à l'unisson. Ah oui, c'est ça. Toujours à l'unisson avec son fils. Marie, viens voir ici une minute. Je voudrais te lire un truc. Voilà, écoute. Je veux que tu sois franche avec moi. Madame Baleine dit à son baleineau, ça va pas. Et il lui dit, pourquoi tu me demandes ça? Elle dit, une maman connaît son fils. J'ai repéré de drôles de signaux, et comme nous sommes toujours à l'unisson, j'ai vite senti la dissonance. Oui, c'est intéressant. C'est bien ce que je pensais. Alors, ils lui demandèrent ce qu'il voulait pour son dernier repas. Il répondit, un steak Chateaubriand. Une salade Waldorf avec un supplément de noix. Une tarte aux pommes chaudes avec plein de chocolat dessus. Miam, miam. Et une cerise des champs déjà morte. Alors ils lui demandèrent pourquoi il voulait une souris morte et il répondit, je l'ai dit comme ça juste pour vérifier que vous m'écoutiez. Voilà, c'est là où j'en suis. D'accord, c'est très bien. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des commentaires à faire? Vous avez aimé Altera? Ça me condole. Je veux dire, j'adore ce genre d'humour un peu vicieux, un peu sombre. Ça me botte. Autre chose? Ah non, juste qu'il m'éclate, tu comprends? Je veux dire, Sokolov, il est pourtant aussi drôle qu'une porte de prison. Mais quand il écrit, il m'éclate. D'accord. Il y a d'autres commentaires? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fulgares? Ah, j'ai l'impression qu'il se fout de nous, mec. Qu'est-ce que Sokolov peut bien connaître de la mort? Tu veux me le dire? Mais arrête! Ça s'appelle avoir de l'imagination, mec! Ça s'appelle plutôt dire des conneries, mec. Et toi, tu t'es fait avoir comme un bleu. Mais tu ferais mieux d'admettre une fois pour tout ce qu'il a fait. Arrêtez, un peu de silence, vous deux, un peu de calme. Fulgares, asseyez-vous. Altera, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est terminé pour cette semaine. Pomeroy, j'ai pensé à vous, voilà. Je vous ai apporté ce bouquin de Raymond Chandler. Bravo!
Alors, passez une bonne semaine et écrivez bien. Oh, Sokolov, attendez une seconde, s'il vous plaît. Les autres, à la semaine prochaine. Alors, mon vieux, on fait de la lèche. Je voulais pas trop en parler devant les autres. Vous avez des nouvelles? Ouais, d'excellentes nouvelles. Ce type chez Lorimar, il a adoré le script. Il est très intéressé. C'est vrai? Il veut vous rencontrer. Et mon agent, pour une fois, n'a pas été trop stupide. Il leur a pas encore dit que vous étiez en taule. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je voudrais pas laisser passer cette chance, monsieur Farmer. Ah, bien sûr que non. Quand est-ce que vous sortez? Encore 22 jours et on me libère. D'accord. Dans 3 semaines, donc. Je suis sûr que mon agent saura bien les faire attendre. Au pire, vous leur direz que vous devez vous absenter quelques jours et que vous les appellerez en rentrant. Comptez sur moi. Dites, j'apprécie vraiment tout ce que vous faites pour moi. Non, c'est rien, Sokolov. Ça fait partie de mon job. Vous savez, dans ce business, on a toujours besoin de sang neuf. Les vieux routiers comme moi, ça fait user. Il ne reste plus qu'à se croiser les doigts maintenant. Dès que j'aurai du nouveau, je vous le fais savoir. Merci, merci encore. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Vous voulez que j'appelle le gardien? Non, non, ça va mieux. Laissez, il faut que je me repose. Vous voulez un verre d'eau ou autre chose? Tenez, asseyez-vous. Non, non. Laissez ça, je les ramasse. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu un malaise? Non, je dois en faire trop. Vous êtes malade? Hey. C'est grave? C'est ce qu'on dit. Les cours doivent vous fatiguer, monsieur Farmer. Walter. Devriez-vous reposer, Walter, et reprendre l'atelier plus tard? Non, je ne peux pas rester allongé à ne rien faire. C'est plus fort que moi. Il faut que je vive. Et il faut que je fasse cet effort, quoi. Rien n'a changé, tout doit être comme avant. Il faut que je reste le même homme. J'appelle le médecin, on en a un ici. Non, c'est inutile, je vais me reposer 5 minutes, puis après je pars. Vous voulez bien me donner ma casquette? Merci. Oh, faut que je fasse un effort. Faut plus que je me laisse aller. Non, faut que tout ait l'air normal. Ça va aller. Mourir, revoit sa vie entière défiler devant lui. Alors dans mon cas, c'est mes films que je regarde. Celui-là, Artie et moi, on l'a écrit pendant le tumulte des années 60, la révolte des étudiants sur les campus. Et c'est comment? C'est tumultueux. Ça a l'air intéressant. Tiens, je t'ai pris un 7 millions 85, celui que tu préfères. Non, le seul humain, ça me gêne pas. Ah, c'est moi que ça gêne. Qu'est-ce que tu as fait comme dessert, un gratin de fruits? Bon, je suis sûre que tu le mangeras. Après, on va au lit, monsieur. Tout ce que vous voudrez, madame.
Alors, ça y est, tu t'es décidé à utiliser ce plaid? Oui, et je trouve que tu as beaucoup de talent, ma chère. Il me semble que tu as raté ta vocation. C'est sûr, j'aurais pu ouvrir une petite boutique sur Hall Post Road et vendre de belles antiquités. C'est toujours plus honnête que les relations publiques. Ça paye le loyer. Il me semblait que, de toute façon, tes parents étaient extrêmement riches. Exact, mais tu vois, j'ai le complexe des bébés craques boursiers. Pourtant, tu es né après la Grande Dépression. J'ai horreur de dépenser mon argent. Ah là, tu dis la vérité. Walter, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? On peut commencer par dîner, si tu veux. Je ne parle pas de ça. D'abord, tu es en train de rendre Artie à moitié dingue avec cette histoire de cigarette. Et en plus, aujourd'hui, j'ai appris que dans mon dos, tu es allé rendre visite à mon ex-fiancé. Quoi, il a eu le culot de te le dire alors que mon corps n'est même pas encore froid? Pourquoi es-tu allé le voir? Il a regardé les radios, c'est tout. Tu n'es pas allé le voir juste pour ça. Je suis dans les relations publiques et je sais reconnaître quelqu'un qui ment. Qu'il soit au courant. Walter, quand tu ne seras plus là, je ne me marierai pas avec lui. Tu entends? Jamais. Pourquoi pas? Je n'ai pas l'habitude de prendre du second choix. Et puis qu'est-ce que tu as à remettre tout en ordre pour les autres? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne? Parce que c'est inutile. Pourquoi le fait de se savoir condamné donne l'envie aux gens de tout contrôler? Ça, franchement, ça me dépasse. Et puis ça, qu'est-ce que ça fait là? Quoi? Ben ça, cet album de photos devant tes yeux. Oh, un condamné n'aurait pas le droit de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour remonter le cours du temps. Ton petit frère Franklin. Oui, qu'est-ce qu'il a? Vous ne vous êtes pas vu depuis des années. Et ça, tu veux dire, depuis des siècles. Tu m'as dit une fois qu'il était à moitié fêlé, non? On pourrait effectivement le classer dans cette catégorie, oui. Et où est-ce que tu veux en venir exactement? À ce qu'on disait tout à l'heure, tu veux tout remettre en ordre autour de toi. Est-ce que c'est répréhensible aux yeux de la loi? Remarque, avec lui, j'ai jamais su comment m'y prendre. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Faire la paix avec lui? Mais on ne peut pas faire la paix avec un psychotique. C'est pas très gentil pour lui, ce que tu dis là, ni pour moi. Dis, si on allait à Paris, c'est moi qui invite. On descendra dans ton hôtel favori et on visitera la maison de Monet à Giverny. Et pourquoi tu restais tout ce temps avec moi? Il y a des millions de types qui rêveraient d'aller voir les nymphéas avec toi. En plus, tu savais très bien que j'étais contre l'idée de me remarier, alors pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude de t'aimer, voilà tout. Et parce qu'avant de te connaître, je suis bien obligée de l'avouer, ma vie n'avait pas beaucoup de sens. Et puis certainement, je suis le premier type qui garde sa casquette de baseball pour aller dormir. Et tu oublies aussi les chaussettes. Souvent me voir, mais quand tu viens... Je sais, j'apporte pas de bonnes nouvelles. Non, pas vraiment. Ne compte pas sur moi pour le dire à ton fils. Non, tu as raison. À quelle heure il rentre de l'école? Bientôt. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Alors, ne dis rien, profitons de cette belle journée. C'est vrai que tu es un peu pâle, mais tu n'as pas l'air d'être l'article de la mort. Artie dit que je ressemble à Lazare dans son linceul. Il n'a jamais eu la réputation d'avoir beaucoup de tact. Comment va-t-il? Il fume toujours comme une cheminée? Non, il vient juste de s'arrêter. Je suis ravie. Comment se fait-il que tu ne te sois jamais mariée avec cette jeune femme? Comment s'appelle-t-elle déjà? Anna? Amanda. Ah, Amanda. Ah, parce qu'elle est beaucoup trop riche. J'aurais eu l'impression d'être remariée avec toi. D'être piégée. Piégée? En tout cas avec artiste, un couple qui marche. Et je suppose que tu comptes tout laisser à ton fils? Non, justement. Je vais tout léguer au directeur de la prison de Coney Island pour l'atelier de scénariste. Tiens.
aura été libéral jusqu'à la fin. De ça non plus, je ne parlerai pas à ton fils. Parce que tu crois qu'il s'y intéresse, il est bien trop jeune. Merci. Et trompe-toi, il y viendra. Il me ressemble trop pour ça. C'est ce qui arrive quand on renonce à la garde de son enfant. Je n'ai jamais renoncé à cette garde. Ah bon, tu en es sûr? En tout cas, moi je me souviens très bien que tu étais un des premiers à profiter de la communauté de biens avec une femme riche. T'es là, maman? Oui, chérie, viens. Papa! Il est surprise. Je suis contente de te voir. Et jusqu'à quel âge on a le droit d'embrasser sa progéniture? On s'arrête quand son enfant est trop gêné, ce qui est le cas aujourd'hui. Non mais regarde-toi, t'as encore grandi. Arrête avec tes clichés, papa. Oui, on a encore moins d'excuses quand on est écrivain. Écrivain, à ta place, je m'en vanterai pas. Ah, mais je m'en vante jamais, en tout cas pas en public. Ça va à l'école? Ouais, pour un fils de riche pourri gâté, on fait aller. Oh, c'est presque la vie de château. Dans la classe de français, ils n'étudient pas les grands classiques en potassant leurs livres, mais en regardant des vidéos. Attention à ce que tu dis. Il n'y a rien de mal à regarder un film. J'ai vu le tien dimanche dernier à la télé. Ah ouais? C'était super, mais il y avait vraiment trop de publicité. Ah, j'en parlerai au grand patron. Est-ce que mon fils pourri gâté a eu de bonnes notes? Il n'a eu que des A à l'exception d'un D en sciences naturelles. Oh, pour un peu, tu ressemblerais à Artie. Laisse ton fils s'exprimer de lui-même. Je n'ai eu que des A à l'exception d'un D en sciences naturelles. Ton fils est quasiment imbattable en orthographe. D'ailleurs, il se présente au concours national. Mais félicitations. On fait un essai? Comment est-ce que tu appelles fluorescent? F-L-U-O-R-E-S-C-E-N-T, fluorescent. C'est correct. Maintenant, appelle eudémonisme. Oh, hein? C'est pas ah. Eudémonisme. E-U-D-E-M-O-N-I-S-M-E, eudémonisme. Bravo, mon garçon, c'est formidable. C'est ce que je me dis tous les matins en me regardant dans la glace. Et combien de temps tu vas rester? Et il faut absolument que je rentre ce soir. On a un scénario à finir pour demain. Allez, va vite prendre une douche. Ce soir, ton père nous invite au restaurant. D'accord, j'y vais. Ben alors? Il est vraiment adorable et intelligent. Tu vois, je ne l'ai pas trop corrompu. Toi, t'es peut-être pas souvent là, mais tes gènes sont restés. On peut dire ce qu'on veut, c'est difficile de faire abstraction du passé. Je dois être flattée ou vexée, là? Une pique par-ci et un compliment par-là, ma spécialité. Ça me rend très triste, cette histoire. J'aurais plus personne à taquiner. C'est pour Walter. Tu lui donneras après, quand ce sera fini. Quelques conseils pour devenir adulte. Pour éviter qu'il fasse comme son père. Des bêtises. Ne compte pas sur moi pour lui donner. Pourquoi? Tu ferais mieux de faire un tour avec lui après dîner et de lui expliquer. Il est grand, tu sais, maintenant. Il vaut mieux que tu le mettes au courant toi-même, tranquillement. D'homme à homme. Quand il y repensera plus tard, il appréciera d'autant plus ta franchise. Merci du conseil. T'as toujours été très intelligente. On peut être riche et intelligente, ça n'est pas interdit. Tu es sans doute le condamné le plus sexy que j'ai jamais connu. Simplement sublime. Ce type a un sens de l'humour, un petit peu oblique. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, ça on le connaît. Non, il est plutôt du genre discret. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Bon, quelques trucs, pas grand-chose. Où est-ce qu'on va exactement? Tu m'avais pas dit qu'on allait manger chez Musso? Changement de programme. Ah oui. Moi, je crois qu'on devrait s'arrêter de manger quand même. Tu maigris à vue d'œil. Tu tiens vraiment à m'emmener là-bas? Bravo, tu deviens aussi intelligent que moi. Pas le malin, je sais où on va.
Je reste dans la voiture, je veux pas monter. Si, tu viens avec moi. Et pourquoi tu me fais ça maintenant? Parce que j'essaie de sauver ton âme. J'ai pas d'âme, je suis agnostique, tu t'en souviens plus? Ouais, allez, viens. T'as rien trouvé de plus sadique et de plus dégueulasse à me faire, non? On t'a jamais dit que la vie était dure. Ouais, et toi, on t'a jamais dit que tu méritais un bon coup de poing dans la gueule. Viens, reste pas là. Avance. Ils m'ont très bien reçu, ils sont gentils. Non, on est plutôt bien ici. Oh, lui, c'est le comptable. Oh, le petit déjeuner aussi. Ça, et voilà, ils sont allés voir Manon hier soir. Depuis longtemps, c'est vrai. Ils viendront pas ce soir. N'essaie pas de t'enfuir, t'es pris au piège. Allez, viens. Pourquoi tu cherches à me punir? Pour mieux te rendre adulte. Pourquoi? Pour ton bien. Mais allez, on s'en va, on ne trouvera jamais. T'inquiète pas. Depuis combien de temps tu l'as pas vue, ton ex-femme? Quelques années. On ferait mieux de foutre le camp. Non, pas question. Excusez-moi. Ah, voilà. C'est là. Oui, entrez. C'est moi. Pourquoi tu restes dans l'obscurité comme ça? Comment ça va, Caroline? Ça va. Il y a des jours où tout va mal, des jours où tout va bien. Je suis content de te l'entendre dire. Tu te souviens de mon ami? Walter. Bonjour, Caroline. Tu as l'air très en forme. Oh, tu me trouves bien coiffée comme ça. Il y a une dame qui vient pour me les arranger. Très bien coiffée. Comment ça va à l'école? Ça va, ça marche assez bien. Ça fait bien longtemps que tu ne m'as pas envoyé ton carnet de notes. Pourquoi? Les parents aiment bien suivre le travail de leurs enfants, ça a toujours été comme ça. Tu es bien ici. Ça peut aller. Et ils traitent bien au moins. Il nous emmène de temps en temps faire une promenade jusqu'à la plage. J'ai ramassé des coquillages au bord de l'eau avant-hier. Regardez, ils sont là-bas. On dirait de la nacre. Hein? Tu pourrais t'en faire un collier. Oh non, tu as oublié. Je ne fais plus rien avec mes mains depuis longtemps. Je dois avoir de l'arthrite, oui, je crois que c'est ça. Ah non, non, à mon avis, tu es encore trop jeune pour en avoir. Peut-être bien. Mais je vais quand même en parler à mon médecin. Est-ce qu'il vient souvent te voir, le médecin? De temps en temps. Souvent, c'est moi qui descends le voir dans son cabinet. On parle des heures entières. Il me pose toujours des tas de questions sur les émissions que je regarde à la télé. Il n'a qu'à les regarder lui-même, comme ça il saura, je comprends pas. Il est peut-être de l'INSEE. Alors, c'est une blague. Les médecins sont payés pour poser des questions, c'est tout. Tu n'as besoin de rien, Caroline. Je peux faire quelque chose pour toi. Non. Non, ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? On passait par là, simplement. C'est drôle, ça fait des années que personne ne vient me voir. Et ça va changer à partir d'aujourd'hui. Artie viendra te voir régulièrement. C'est vrai, mon chou, tu viendras? Je viendrai, je te jure. Je serai là. Tu m'as l'air d'être un petit peu fatigué. Tu devrais t'allonger sur ton lit, 5 minutes. Oui, ça me ferait du bien. Couverture. Non, non, je suis bien comme ça, ça va aller, merci.
petit, j'aimerais beaucoup qu'ils continuent à m'envoyer ton carnet de notes. Tu leur diras? Oui, je leur dirai. Oui, tu peux compter sur moi. Ça n'a pas été trop pénible? Si. Plus que pénible. Que soit loué, elle a perdu la mémoire. Ça faisait des années que ma femme me suppliait d'aller lui rendre visite. Vas-y, une fois par mois, ça lui fera plaisir. T'as encore envie de me casser la figure? J'aurais toujours envie de t'aplatir le nez. Excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que Frankie est dans le coin? Frankie Farmer? Non, désolé. Il a vendu son affaire? Non, il est mort il y a un peu moins de 2 ans. Vous l'avez appelé Frankie? Oui. Il n'y a que ceux qui l'ont connu jeune qui l'appelaient comme ça. Ses amis, bien sûr, et sa famille. Vous êtes sa femme? Oui. Je me suis jamais remariée. Moi, je suis son frère, Walter. Oh, ce frère qui lui a toujours tellement manqué. Sa mort me touche, croyez-le. Tiens, on m'a pourtant dit que vous l'auriez souvent souhaité. Mais on n'était pas très proches, lui et moi. Bravo, celle-là, c'est la meilleure de l'année. Vous vous détestiez à peu près autant qu'il est permis à deux frères de se détester. Il vous parlait jamais de moi? Si. Quand il avait bu 1 litre de scotch. Bah, c'est vrai qu'on s'entendait pas tous les deux. Depuis le début, d'ailleurs. C'est combien, ça, s'il vous plaît? J'ai oublié, regarder sur l'étiquette. Ça doit être en solde. Qu'est-ce que vous espériez en venant ici? Remettre les choses en ordre. Trop tard. Maintenant, pour lui, tout est en ordre. Vous attendiez quoi? Des excuses? Vous ne savez pas encore que le passé appartient au passé. Non, c'est pas vrai, ça. Pas toujours. Et on avait une petite chance de faire la paix. Peut-être, mais il vous aurait fallu enterrer des années de rancune. Je le prends, vous acceptez les cartes de crédit? Oui, bien sûr. Les petits frères se sentent toujours un peu lésés. On hérite systématiquement des vêtements du grand frère. Pour Franck, c'était pareil. Vous voulez vous asseoir? Vous avez l'air fatigué. Non, non, merci, ça va. Quand on est le second à sortir de l'utérus, on n'a qu'une seule idée, essayer de rattraper le retard. Franck disait que vous étiez très doué. Lui, il était incapable d'écrire une lettre. Votre mère, elle, ne parlait que de vous. Elle était très gentille, mais c'est vrai qu'elle faisait du favoritisme. Elle nous appelait souvent d'Orlando. Elle disait, vous avez regardé son dernier film, et puis vous avez vu, ils ont encore gagné un prix avant-hier. Frankie détestait Artie. Mettez-vous à sa place. Artie est devenu votre frère. C'est avec lui que vous passez toute votre vie. Signez et mettez votre numéro de téléphone. Il est mort de quoi? D'un arrêt cardiaque, d'après les médecins. Un jour, après le repas, il est allé dans l'arrière-boutique et là, il est tombé d'un seul coup. Quand je l'ai retrouvé, il avait cessé de respirer. Les médecins n'ont rien pu faire. Merci beaucoup. À bientôt. Là, c'est notre fille. Elle est dans une école de cinéma. Elle aimerait bien faire quelque chose là-dedans. Elle a vu tous vos films. Mais c'est très bien. Et surtout, dites-lui de m'appeler, qu'elle n'hésite pas. Elle est très timide, mais d'accord, je lui dirai. Pourquoi vous teniez tant à le revoir? Parce que je viens d'apprendre que je n'en avais plus pour très longtemps. 8 mois à peu près. On dirait que ça tient de famille. Vous en avez une, de famille? J'en avais une.
Je suis très content d'avoir fait votre connaissance. Denise. Denise. Dommage que vous ne soyez pas venue avant. Je dois reconnaître qu'il n'était pas toujours facile à vivre. On dirait que ça tient de famille. À lire à votre portier, il paraît qu'il est encore plus sévère. Allez, ça va, vous m'avez convaincu. Passez au studio en début de semaine, il y a deux ou trois choses à régler. Pas de problème. Est-ce que Walter est là? Il est encore plus silencieux que d'habitude. Vous m'entendez? Je suis bien là. Dès que j'ai entendu le mot réécrire, j'ai brusquement attrapé une paralysie de la langue. En tout cas, vous avez encore fait du très bon boulot. Félicitations, passez un bon week-end. Ciao, Marc. Il a déjà une bonne demi-heure de retard. Il cherche un appartement, il a peut-être été retenu. On a sonné, non, je rêve pas. J'aurais bien aimé que Marie soit là, moi j'entends rien d'ici. Dis, tu veux bien finir ton assiette? Bon, alors, dis-moi tout sur ce type. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, David Sokolov. Bon, je sais que c'est un excellent écrivain, mais à part ça, c'est qui? Pourquoi ton mystère? Non, non, il n'y a rien de spécial, simplement j'aimerais que tu le rencontres. Cette fois, ça doit être lui, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il fout ici? Excusez-moi, est-ce que l'un d'entre vous serait Walter Farmer? Ouais, c'est moi. La jeune femme qui était chez vous a dit qu'on vous trouverait ici. Il y a un problème, lieutenant? Vous connaissez un certain David Sokolov, monsieur Farmer? Ouais, c'est un de mes élèves. Il est à mon atelier d'écriture de scénario. Enfin, il y était. À Terminal Island, c'est ça? Quand avez-vous vu Sokolov pour la dernière fois? Il y a un mois environ. Il était encore incarcéré. Je l'ai également eu la semaine dernière au téléphone pour fixer le rendez-vous d'aujourd'hui. Ce type était en tôle? Tu voulais me faire travailler avec un tôlard? Est-ce que je peux vous demander ce qui lui est arrivé? Il est en garde à vue pour l'instant. Aux environs de 13h, David Sokolov a tenté une attaque à main armée contre la First Security Bank à Pico. Oh, c'est pas vrai, le fou, il s'est fait une banque! Le caissier a réussi à déclencher l'alarme, il n'y a pas eu de blessés. Nous avons trouvé vos noms et adresses dans une de ses poches. Sokolov vous avait-il dit ce qu'il comptait faire à sa sortie de prison? Seulement qu'il voulait écrire pour la télévision. Ah, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui prendre? Ça vous ennuierait de passer demain au poste pour donner votre déposition? Non, bien sûr que non. Dites, vous croyez que je pourrais lui parler? Alors, je crains que non. Vous connaissiez cet homme également? Non, j'ai pas eu l'honneur de lui être présenté. Le suspect a dit que vous aviez écrit Les Colombo. C'est ma série préférée de loin. Merci beaucoup. Vous avez peut-être envie d'avoir un autographe? C'est l'adresse pour votre déposition. Oui, d'accord, je viendrai. Alors, je suis désolé, hein, je suis encore sous le choc, alors. Son hold-up, il aurait mieux fait de l'écrire. Ça aurait été moins risqué. Allez, au revoir, messieurs. Merci. Moi qui croyais que cet écrivain était un gentleman, je vois qu'on a plutôt affaire à un gentleman comme rien. Mais s'il a réussi à tout gâcher, et comment est-ce qu'on fait idiot à ce point-là? T'avais réellement l'intention de me brancher avec ce loupard? Ou tu n'aimes plus ce que j'écris, peut-être, c'est ça? Je trouve pas ça très drôle, figure-toi. Eh ben moi, ça me fait hurler de rire. Regarde, on a une chance terrible qu'il soit récidiviste. T'imagines une minute, aider ce type à écrire un script, c'est la scène du meurtre, et hop, il en commet un pour de vrai. À part ça, c'est une bonne idée. On pourrait y penser pour le film du dimanche soir. Oh, tu veux bien la fermer? Oui, c'est tragique ce qui lui arrive. Et toi, tu es là à essayer d'en tirer une histoire. J'ignorais que tu aimais ce Sokolov à ce point-là. Mais c'était pour toi. Pour toi, idiot. De toute façon, pour toi de continuer à écrire après que... Après. Excuse-moi, Walter. Excuse-moi, je comprends mieux. J'apprécie ton geste. J'apprécie aussi tes efforts pour m'empêcher de fumer. C'est peut-être ça ce qui est le plus important, d'ailleurs. Toi, t'as jamais fumé. T'ignores à quel point c'est difficile de s'arrêter. Est-ce que tu savais que mon père fumait 3 paquets par jour? Chapeau, bel exemple. Oui, ça tu l'as dit. Tu vois, j'avais de qui tenir. T'es un maître en la matière. Quand je repense à mon père, je
pense à l'odeur du tabac aussitôt. Une odeur brune, en imaginant que ça existe, avec une pointe de menthe. Parce qu'il mâchait des tablettes de chewing-gum, ma mère supportait pas l'odeur du tabac. Comme le gaz qu'on envoyait dans les tranchées. Quand il s'absentait, arrivait de traverser une pièce, Ed humait l'odeur de mon père. Ma façon à moi de me rassurer. Ensuite, il a eu un cancer. Cancer du larynx. Tu peux plus parler. Je crois que Freud aussi en a eu un. C'est particulièrement douloureux. Il est allé à l'hôpital et ils lui ont enlevé. Enfin, je veux dire, le larynx. Un soir, en revenant de l'école, je suis allé le voir là-bas, à l'hôpital. J'avais 12 ans, je crois. Ça, j'oublierai jamais. Il était là, il m'attendait. Il était assis sur son lit, il était presque immobile. Il fumait une cigarette qu'il avait planté dans un trou ici, ultime séquelle de l'opération. C'est pas croyable. Il se marrait. Un de ses amis avait fait entrer en douce un paquet. Il aurait dit qu'un doigt tout blanc était planté dans son cou. Six mois plus tard, il nous laissait tomber. Et je parie qu'après une telle expérience, tu t'es précipité pour piquer une cigarette à un copain. T'es assez pervers dans ton genre. Bien plus encore que tu le crois. Je t'ai raconté tout ça pour mettre les choses au point. T'as pas l'air de te rendre bien compte de la difficulté de se débarrasser de cet horrible monstre qu'est la nicotine. Certains médecins affirment que c'est pire que l'héroïne. Et moi, j'avais pas réalisé que je lui ressemblais. Mais quand je pense, cet horrible trou qu'il avait au milieu de la gorge, cette fumée qui s'en échappait. Je vois à quel point je lui ressemble. Tu vas te remettre à fumer, alors. Je peux pas faire autrement. Tu comprendras pas, j'ai pas le choix, je suis obligé. Je peux pas vivre sans cigarette. Et ce qui m'arrive maintenant, ma mort, Artie, ça ne va pas te servir de leçon? Mais non. Tu peux pas me le reprocher. J'ai tout essayé. Tu sais bien, j'ai tout essayé. Allume-la. Quoi que ce que tu dis? Allume-la. Dommage que mon revolver soit resté chez moi. Je comprends pas. Et toutes ces années avec une piscine, sans jamais apprendre à nager. Ça va aller. Voilà, tiens, j'ai trouvé. Regarde. Essaie de l'attraper. Attrape-la. Dans le bras. Et puis, il presse, bon Dieu. Attrape cette canne. Oui, vas-y. Allez, encore un effort.
Voilà, ça y est, tu es là. Allez, tiens, bon, ça y est, je vais te sortir de là. Non. Voilà. 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 T'as failli me tuer. T'as une drôle de façon d'éteindre les cigarettes, toi. Tiens bon. Ça va aller? Je crois bien, oui. À part ça, je me sens un peu humide. C'est toi là, si t'as pas peur. J'ai oublié de te dire. J'aimerais garder le souvenir de ta voix. Elle est cuite. Tant pis, j'irai en acheter un autre. Rends-moi un petit service. Enregistre tout ce que tu as à me dire, je sais pas moi. Tes idées, tes pensées les plus intimes. Tout ce que tu aurais aimé me confier. Tout ce que tu m'as jamais dit. Ou que tu n'as jamais osé me dire. C'est vrai, c'est difficile. On se dit rarement la vérité en face. Non, c'est un peu lâche comme procédé. Remarque, j'étais prêt à faire la même chose avec mon fils quand sa mère m'a conseillé d'aller lui parler. Je te plains, mon vieux, ça doit pas être facile pour toi. Pour nous tous, tu veux dire. On se connaît depuis longtemps. On s'est pas quitté depuis l'enfance. Le coup de foudre, quoi. Fort et fragile à la fois. On s'est rencontrés et on s'est jamais quitté. Et le pire, on n'a pas divorcé. Jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire la même chose dans le business. Qui peuvent en dire autant tout court. J'ai toujours eu confiance en toi. Plus qu'en ma femme. Plus qu'en quiconque. On a toujours fait 50-50, nous deux. Il n'y a jamais eu un problème. En fait, tu m'as comblé. Tu m'as comblé par ton talent. Et Dieu sait que t'en as du talent. Et parce que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi comme moi j'ai besoin de toi. De la même façon. Non, te mets pas à pleurer, Artie. Alors qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Et tu trouveras quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un de plus jeune. Et tu lui apprendras toutes les ficelles. Tout ce qu'on a appris tous les deux. Et tu continueras à écrire. Et tu t'arrêteras jamais d'écrire. Promets-le-moi, Artie. Tu feras passer nos messages à la télévision. Tu les feras passer dans le monde entier. Tu le feras, Adi. Je te promets, je le ferai. Décidément, les hommes seront toujours des gamins. Tu sais, Artie, je pense à une chose. On a écrit des dizaines et des dizaines de scénarios tous les deux. Et pourtant, pas une fois on a écrit un truc sur la mort. On n'écrira jamais. Marie, à chaque fois qu'on va quelque part, toi et Artie, vous êtes là à nous coller. On ne peut pas être tranquille, Samy. Laisse tomber, il n'y a rien à faire. On peut pas se passer de vous, c'est tout. Et nous non plus, d'ailleurs. C'est étrange, j'ai lu quelque part que les Russes n'avaient pas de mots pour intimité. C'est peut-être vrai, petit malin. Et combien ils en ont pour la neige? À ce moment-là, t'avais, disons, 8 ans. Ça va, ça? Ouais, ouais. Non, on pourrait y aller plus doucement, peut-être. Ajouter plus de dialogue, mettre plus en valeur ce personnage. Attends. Non, il parle pas beaucoup. Attends, arrête de parler. Mais si, non, il a son importance, ce personnage. Je te relis le début. Oui, bon, vas-y. À ce moment-là, tu avais, disons, 8 ans. 8 ans, ouais. Non, plutôt 9. Non, c'est trop. Non, n'oublie pas qu'on est en 65. Le personnage avait 8 ans, forcément.
Mais si, il peut pas en être autrement, mais non, sinon il sera pas. 8 ans, on a encore des yeux d'enfant, tu comprends? Bon, bon, si tu veux. Regarde-moi, quand j'avais 8 ans, toi t'avais combien? Si j'étais toi, ça, on était encore...